sont des fleurs. Ce sont des fleurs. De quelle couleur? Rouge, violet et jaune. Oh, 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 wow. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai jeté les fleurs. J'ai jeté des fleurs. Oui. Donc jeter des fleurs. Je peux jeter des fleurs de deux manières. Un, jeter des fleurs. Deux, oh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui. Deux manières. Donc, en français, faire des compliments. Tu es belle, oh, tu es gentille, tu as de beaux cheveux. C'est aussi jeter des fleurs. Ah, c'est la même chose? Oui. Jeter des fleurs, ça veut dire faire des compliments? Oui. C'est une expression pour dire faire des compliments, jeter des fleurs. Alors, aujourd'hui, on va se jeter des fleurs. On va faire des compliments. Est-ce que vous pouvez me faire des compliments? Tu es belle aujourd'hui. Très belle, très très belle. Très 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 belle. Oh, merci. J'adore ton ruban. Oh, mon ruban. Vous voyez, c'est quoi un ruban? Ah oui, c'est ça, dans mes cheveux. C'est un jaquet très beau. Oh, c'est une veste. Une veste, bon, c'est une veste très belle. Oui, merci. Tu es mignon. Tu es mignonne. Oh, merci. Alors, on va se faire des compliments tous ensemble après. En français, on peut faire des compliments avec trois expressions. Que tu es belle. On peut dire tu es belle, mais on peut ajouter que. Que tu es belle, que tu es gentille, que tu as de beaux... De beaux quoi? De beaux yeux. De beaux yeux. De beaux yeux. Que, comme. Comme tu as de beaux yeux. Comme tu es bien habillée aujourd'hui. Comme tu. Et on peut dire aussi... Utiliser le superlatif. Super. Donc comme c'est trop. Trop. Tu es trop belle. Tu es trop mignonne. Tu as de trop beaux yeux. Trop. Beaucoup, vraiment. Superlatif. Mais attention. Attention. Parce que les Français n'aiment pas beaucoup les compliments comme ça. Pourquoi? Pourquoi ils n'aiment pas les compliments comme ça? C'est une très longue histoire. On va voir une histoire qui s'appelle Le corbeau et le renard. Vous connaissez Le corbeau et le renard? Oui. Oui. Ah, ça parle de quoi? C'est une histoire de La Fontaine, un conte. Oui, La Fontaine, c'est l'écrivain. Il a écrit l'histoire. Il y a un oiseau dans l'arbre et il y a un morceau de fromage dans le fromage. Et le renard veut avoir ce fromage. Exactement. Donc, il y a un oiseau, le corbeau, et le renard. Le renard, c'est un animal comme un chat. Ok? Le renard. Le corbeau, il mange un fromage. Le renard, il veut le fromage. Comment il fait? Vous allez voir. Renard. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard parle
odeur alléchée lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Vous avez regardé ? Oui. Vous avez compris ? Oui, à peu près. Oui. Donc, il se passe comment ? Comment le renard prend le fromage ? Il a fait des compliments. Oui. Au corbeau. Oui, on va écouter encore une fois les compliments. Un gros perché tenait pour son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Maintenant, il va faire les compliments. Écoutez. Et bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage. Bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Oui, voilà, que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Oui. Donc, le renard fait beaucoup de compliments au corbeau. Et le corbeau, il est content. Il est triste. Très content. Il est très content. Oh, je suis beau. Oh, et il ouvre. Il ouvre la bouche, il ouvre le bec. Oui. Et le fromage fond. Donc, en France, quand vous faites un gros compliment, ah que vous êtes beau, ah que vous êtes gentil, les Français, tous les Français connaissent la fable, le corbeau et le renard. Quand j'étais petite, à l'école, j'ai appris le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre caché, tous les Français. Donc, attention pour les compliments. Ça, c'est un peu, c'est trop. Donc, comment on fait un compliment ? En France, on fait un compliment simple. Des mots simples. Par exemple, tu es belle. Oh, tu as des jolies lunettes. Ouh. Oh, c'est très beau. C'est... Ce sont des fleurs? Oui. Elles sont belles? On fait des phrases simples. Et quand on fait un compliment, on remercie. Donc maintenant, on va faire des compliments chacun. Donc, on va changer, on va bouger. Cornelia vient ici, Nazareth là, Maïma là, Mercedes là. Okay. Très bien. On change. Oh.
Le dernier, après on arrête. Ok. C'est bon? Oui. C'est fini? Ok, on va s'asseoir. Asseyez-vous.
Je ne comprends pas ça. Mais je ne sais pas comment lire. Oh, ça? C'est quoi? Mais je pense déjà.